Alors, nous sommes toujours à Rétromobile, évidemment, en 2019. Et pourtant, vous savez que je suis un grand amateur automobile. Hein ? Eh ben, je me suis fait avoir, qu'est-ce que je ne connaissais pas ? L'histoire de la Serenissima. Eh oui, c'est un monsieur qui s'appelle Serenissima. Il faut raconter l'histoire ? Allez, toute simple. En 61, grosse purge chez Ferrari, Enzo profite d'un événement pour virer une partie de son staff. Résultat, ce staff s'associe pour créer Serenissima. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu une grosse production. Mais la voiture est très belle. Vous remarquerez que celle-ci ressemble étrangement un petit peu à une Lamborghini Murat. Mais vous allez en voir une autre. La orange qui est derrière, qui elle, ressemble étrangement à une Pantera. Et pour cause, c'est le même designer. Donc effectivement. Et puis, la petite dernière, la grise, qui n'existe plus qu'à un seul exemplaire, hein, puisqu'il n'y en a eu que deux. Au début, elles étaient des voitures de route, transformées pour la piste. Elles ont gagné quelques courses. Découvrez Serenissima.